Please be seated. Veuillez vous asseoir. Ông chủ tịch bắt cá mặn to cách đơn nói cáp. The court is in session before handing L'audience over reprend avant to defense counsel de donner la parole à la défense for Mr. Kyusampon de Monsieur Kyusampon to continue his questioning to afin the witness. Que celle-ci the chamber would like to remind the witness la chambre tient à rappeler that the chamber au témoin has noted that que la chambre a noté you have been tired vous êtes for the times that you spent in giving testimonies before fatigué the chamber. This is a fact. Lorsque vous témoignez however, devant at the same la chambre, time, the cependant, hopes en même temps, la chambre émet l'espoir you que le témoin continue to give your testimony pourra continuer for another 1 hour. À témoigner pendant une heure encore. The chamber has already informed la chambre a déjà previously that informé le témoin auparavant has the obligations to answer du fait to qu'il a l'obligation de répondre aux questions qui lui sont posées par les parties of what you hear know or experienced. Sur la base de ce qu'il a entendu, de ce qu'il sait ou de ce dont il a l'expérience. Concerning the facts or events et ce portant sur les faits ou les événements pertinent en l'espèce. And as indicated by you, Mr. Witness, yesterday, et comme vous l'avez vous-même indiqué, Monsieur le témoin, hier, we are here to seek nous the truth sommes réunis ici à la recherche de la vérité qui entoure les événements qui se sont produits. The United Nations and les Nations the Unies Cambodian et le gouvernement du Cambodge se sont accordés purpose, pour créer ce tribunal again, dans ce but. Encore une fois, la Chambre espère que vous continuerez to try to à essayer contribute or help the chamber or assist the de chambers contribuer to seek the et d'apporter votre assistance this, à la Chambre dans sa recherche de la vérité. Pouvez-vous faire cela, Monsieur le témoin? Le témoin, je vous remercie, Monsieur le Président. Je suis volontaire pour continuer à témoigner. Le Président, je remercie le témoin. Je donne à présent la parole au Conseil pour la Défense afin qu'il puisse continuer son interrogatoire du témoin. Merci, Monsieur le Président. Pour ce qui me concerne, j'en aurai terminé dans très peu de temps. Pour faire suite à ce que vous venez de rappeler aux témoins, je voudrais donc en profiter pour lui répéter la question witness, à laquelle il n'a pas voulu répondre avant que nous prenions la pause. Quel était au ministère des Affaires étrangères le nom des personnes qui étaient en charge d'amener les prisonniers à S21 was in charge of bringing prisoners to S21. Akon. Thank you. Je vous remercie. Earlier, I answered that in general, j'ai répondu Comrade auparavant Lin, qu'en général, c'était le camarade Lin. A general practice. Et je parle ici d'une pratique générale. And now you are asking on a different issue, but maintenant, I will answer vous me posez une question sur un point différent, mais je vais répondre à votre question suivant les instructions du président. My answers to the office of the co-investigating judges. Je ne modifierai pas, je ne reviens pas sur les réponses que j'ai données au bureau des co-juges d'instruction, des co-procureurs. Once brought Comrade le camarade Jem to S21. A une fois amené le camarade Dean à S21. Le nom du camarade dont vous venez de parler, c'est C-H-E-A-M, c'est bien cela, monsieur? C-H-E-A-M, is that correct? Mr. President. Réponse, monsieur le président. The messenger of the Ministry of Foreign Affairs. Le messager Affairs du ministère des Affaires étrangères. Jim.
C'était Chin. Merci, monsieur. Thank you, witness. Il me reste très peu de questions. Je crois qu'il y a eu un tout petit malentendu dans le déroulement de mes questions. Je pense, d'après ce que j'ai compris, que vous n'avez pas directement répondu à la question de savoir comment saviez-vous que Rung travaillait aux entrepôts d'État. Mr. President, Comrade Rung, Monsieur le Président, le camarade Rung at the state warehouse. Travaillait aux entrepôts d'État. He met me during Il m'a rencontré 17 April ceremony lors de la cérémonie du 17 avril à Borei Kaila. He worked especially in the south zone. Et son activité se concentrait particulièrement sur la zone sud. I knew Rung for a long time ago. Et je le connaissais depuis longtemps. Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le Président. I have no further questions, Mr. President. Et nous en avons terminé pour l'équipe de Monsieur Kyusampan. Our team, the Kyusampan defense team, is also done with questioning. The President, thank you. Le Président, je vous remercie. The President, because we still have time, and comme il nous reste du the temps, Defense Council for Mr. Nguyen Chia et que le was Conseil informed pour la défense de Monsieur Nguyen Chia a été informé, the other day that if l'autre jour, du fait que s'il nous restait any time left, du the floor temps, will be given to il pourrait the National Defense Council for Mr. Nguyen Chia, donner la parole so au Conseil national pour la défense de M. Nguyen Chia afin que celui-ci puisse poser d'autres questions aux témoins. Le Conseil national pour la défense de Nguyen Chia a maintenant la parole. Good afternoon. Le Conseil. Bon après-midi, Monsieur le Président. Bon après-midi, Mesdames et Messieurs les juges. Encore une fois, je vous remercie de m'avoir donné une autre opportunité de poser des questions au témoin, Monsieur Duc. En premier lieu, témoin, j'aimerais vous demander. Vous posez des questions sur ce que vous avez dit au conseil de M. Kyusampan. Vous avez dit qu'une lettre signée par M. Nguyen Chia, en fait quatre lettres, vous intimant de travailler avec le camarade Vaughan, avec le frère Vaughan. Est-ce que vous êtes encore en possession de cette ou de ces lettres ou les avez-vous remises au bureau des co-juges d'instruction ou des coprocureurs? Deuxièmement, was there any intervention from Mr. Nguyen Chia? Est-ce qu'il y a eu une intervention quelconque de la part de M. Nguyen Chia? Réponse, Monsieur le Président. Says the witness. I would like to indicate to the chamber that j'aimerais informer la Chambre in the letter it was written as du fait que introducing la, Comrade Warns to la work lettre était at a place rédigé de manière à introduire le camarade Boon. Et mention a été faite de Boon. Or brother Boon. Donc du frère there Boon. Was a secret name for c'était brother un alias secret as I remember, I did not keep de the letter frère I Nguyen Chia. Si j'ai bon souvenir, je n'ai pas gardé cette lettre. Je l'ai oublié. Nguyen, les yes, autres, les autres lettres de frère Nguyen, je les ai conservées. Mais lorsque je me suis enfui, je ne les ai pas emmenées avec moi. So, I'm not sure whether the office alors, of the co-prosecutor je ne sais pas si le bureau des coprocureurs pourrait les retrouver. So this is my answer.
Donc, voici ma réponse à vos questions. Et donc, je ne suis pas tout à fait sûr du reste de votre question. Mon autre question, dit le conseil, est la suivante. Pensez-vous of Pol Pot or it was the intervention, qu'il s'agissait d'un ordre de Pol Pot ou d'une intervention de M. Nguyen Chia? Réponse. Mr. President, Monsieur le Président, as a principle, en principe, it was Brother Paul who decided, c'était le and it was frère Brother Paul qui Noon prenait les décisions et c'était le frère Nguyen qui supervisait la pratique. Donc je pense que la décision a été prise par le frère Paul et que le frère Nguyen assurait le suivi car le frère ne s'est jamais présenté en personne. Je vous remercie. Ma question suivante. Dans les statuts du Parti communiste du Cambodge, on peut lire que le sous-secrétaire suit le secrétaire. Il n'était donc pas possible pour Nguyen Chia de prendre une décision, bien qu'il se soit agi de son propre travail, comme par exemple les assemblées d'éducation. Donc, it was for Pol Pot to decide. En fait, la décision revenait à Pol Pot. C'était lui qui avait la responsabilité ultime. Et donc, en dernière instance, les décisions étaient prises par Pol Pot. Est-ce exact? Réponse. Monsieur le Président, in his capacity as a general controller, it is correct. En yes, he was tant the que one contrôleur, c'est exact. C'est lui qui prenait les décisions and en matière de travail. Made, une fois que la décision had avait to été be executed, prise, il fallait the qu'elle soit appliquée. Et donc, les subalternes étaient chargés de la mise en œuvre de la décision et quelqu'un suivait example, ou surveillait leur activité. Par exemple, comme c'est indiqué dans la décision du 9 octobre 1975, où il est clairement indiqué with the absence of Brother Paul, qu'en l'absence du frère Paul, c'est le frère Nguyen qui prendrait les décisions en son nom et place. Through the analysis of documents from S21. Et à partir de l'analyse des documents de S21, ceci c'est après 1978. I did not see that Brother Nguyen sought any advice from Brother Paul. Je n'ai rien vu qui montrait que le frère Nguyen demandait conseil au frère Paul. Il incluait de brèves annotations, notamment au sujet de l'arrestation de Concha dans la province de Prairie. Et donc, lorsque le secrétaire n'était pas là, c'était le sous-secrétaire qui reprenait sa charge. Et ceci était en conformité avec les statuts du parti. And when it comes to the party's work, en ce qui concerne le travail du parti, cela signifiait que le contrôle des biographies leur revenait. On nous a dit qu'il ne fallait pas avoir foi dans les réseaux de l'ennemi, qu'il ne fallait faire confiance qu'à nos propres réseaux. Bang Luan était chargé de la biographie de Long Noel et il connaissait les choses mieux que Yang Sari. Especially when Pol Pot was not there, en particulier en l'absence de Pol Pot, frère Nguyen prenait des décisions. Lorsque Pol Pot prenait une décision, c'était Nguyen Chia qui assurait la surveillance de la bonne exécution des décisions. Witness, conseil, je vous remercie. Témoin, vous étiez le responsable à S21. Et the rank was equal as the vous étiez de rang égal chief of the district
à celui d'un chef de district. This according to et ceci your answers to the d'après les réponses que vous avez données au coprocureur. My question is, ma question est la suivante. Vu votre rang équivalent à celui de chef de district, I assume that you were educated j'aimais l'hypothèse que vous aviez le même niveau d'éducation que les chefs de district. Comment pouviez-vous comprendre ou avoir une connaissance plus approfondie que cela? Réponse. Mr. President, Monsieur le Président, j'étais membre du Parti communiste du Cambodge depuis 1971. Donc, quand il s'agit de l'étude des statuts du parti, je les ai étudiés à partir de 1977. Et donc, je savais que le parti avait toujours un pilier central et le comité central. C'était ma compréhension depuis le début. J'ai lu un livre chinois qui parlait de la révolution chinoise. Et c'est là que j'ai acquis ces connaissances. Donc, ça n'a rien à voir avec un rang équivalent à celui d'un chef de district ou d'un chef de division. So we understand what was stipulated in nous comprenions bien ce qui était stipulé dans les statuts du parti. Et je savais depuis 1967 ce qu'était la discipline du parti. Question. Question. Thank you. Your answer is a bit lengthy. Je vous remercie. I did not intend to votre réponse est un peu longue. Je ne vous demandais pas de nous donner la description de ce que vous aviez pu apprendre en Chine. Mais ma question est, étant donné votre statut et votre rang à l'époque, comment pouviez-vous acquérir une telle connaissance du parti? Était-ce parce que vous en avez parlé ou était-ce parce que vous aviez pu lire des documents? Réponse. Mr. President, Monsieur le Président, in the party statute, dans les statuts du parti, it mentions clearly il est that the leadership clairement fait mention que la direction du pays is the central committee, est assurée par le comité central. Est indiqué clairement que les subalternes obéissent aux supérieurs. Il est également mentionné dans les statuts de 1967 ce que j'ai appris, ce qui avait été rédigé en 1960. C'était clairement indiqué. Et j'étais déterminé à respecter le parti. Lorsque je suis arrivé à M13, on m'a dit que je devais obéir aux décisions la partie centrale du parti. Donc voilà comment ça s'est passé. Question. Dans role as a head of dans votre fonction S21, en tant que responsable de S21 and you was also in charge of the interrogators et également chargé des interrogateurs et confessions de ceux qui révisaient les aveux ou les confessions. Would like to state again when you became the head rather before donc, lorsque, you became avant que vous ne deveniez le responsable de S21. Quel était votre rôle? Did you have est-ce que the same roles when it comes to if we compare the roles between Pol Pot and Nguyen Chia? Si on compare par exemple la répartition des rôles question? Entre Pol Pot et Nguyen Chia, comprenez-vous ma question? Réponse. Mr. President, I will answer to that question. I indicated oui, Monsieur le Président, j'ai déjà indiqué, je vais répondre à cette question. The case 001 trial. Lors du procès 001.
J'ai indiqué de manière répétée, my witness, et la chambre en est témoin, S21, que the hierarchy at S21 la hiérarchie is not after de S21 it was Monday, it's not Monday, it was Deutsch. C'était Deutsch. Ce n'était pas Monique. For all work. Pour toutes les activités. Of the Communist Party of Cambodia. Du Parti communiste du Cambodja. The ones who were responsible for this. L'histoire. Ceux qui étaient responsables de cela, c'était ces deux personnes-là, Pol Pot et Nguyen Trai. And in the absence of Pol Pot. Encore une fois, en l'absence de Pol Pot, Nguyen Trai prenait les décisions. Question. Do you have any evidence to avez-vous say that in the absence of Pol Pot, quelques éléments de corroboration pour dire qu'en l'absence de Pol Pot, Nguyen Trai décidait et quand Pol Pot était présent, Pol Pot prenait les décisions et Nguyen Trai surveillait la bonne exécution? Réponse. En premier lieu, review the document dated 9 nous avons tous vu le document du 9 octobre 1975. J'ai déjà parlé de la teneur de if ce document. Present, the other one will si make l'un a decision. Était absent, c'était l'autre qui prenait les décisions. So one would make a decision donc, and one would un monitor prenait les the décisions implementation et l'autre of that decision. Assurait la surveillance de la bonne exécution des décisions. Present, si l'un n'était pas présent, c'était l'autre qui prenait les décisions et assurait leur bonne exécution. Nous avons également des éléments de preuve à cet égard qui ressortent de S21, les aveux of the person de la personne nommée Nguyen Kung Kin que j'ai mentionné ce matin. The prosecutors already know les procureurs the document number of connaissent of la cote de ces aveux de Nguyen Kung Kin. J'ai fait rapport au sujet de ce document au frère Kim, Samsen, et il est probable que Samsen le remettait directement au frère Noon. Et ça, ce sont les éléments de preuve qui montrent qu'en l'absence du frère Paul, c'est le frère Noon qui prenait les décisions. So that was evident during the time et ceci that the était that évident not well. Au cours de la période durant laquelle and Pol Pot a déclaré qu'il était en mauvaise santé. Pour les détails, vous pouvez vous reporter aux déclarations que j'ai faites lors d'auditions so avec le bureau des juges d'instruction. Donc, en conclusion, vous avez les documents rédigés par moi et rédigés par les individus pertinents. Donc, ces documents existent, les preuves existent à cet égard. Counsel, thank you. Conseil, je vous remercie. When Sun Sen lorsque the Sun Sen mission, s'est rendu dans la zone Est en mission, did you know that saviez-vous Sun Sen went to the East for saviez-vous que Sun Sen s'était rendu en zone Est pour une période donnée et saviez-vous quand il est revenu? Réponse. Sun Sen separated from me. Sun Sen initially, I did not know where he went est parti to, au début, je ne savais pas où il était allé. Plus tard, mon frère qui travaillait au quartier général m'a rendu visite et m'a dit qu'il l'était là également. Et c'est comme ça que j'ai appris period, cela. En ce qui concerne la période, Sun Sen m'a quitté le 15 août 1977 et je ne l'ai pas revu avant le 25 juin 1986, lorsqu'il m'a appelé pour m'assigner une tâche. Donc c'était pendant une longue période, en fait, que je n'étais plus en rapport avec lui.
Donc, du 25 au 27 ou au 26 juin 1986, si j'ai bon souvenir. Le Conseil, donc, entre le 15 août 1977, lorsque Sun Sen est parti en mission à l'Est, vous nous dites que c'est Nun Chea qui était chargé de la sécurité à sa place. J'aimerais que l'on précise cela. Lorsque le 26 juin 1986, il est revenu, c'est exact, c'est là qu'il est revenu, c'est à ce moment-là qu'il est revenu. Réponse. Donc, je pense qu'il y a un malentendu entre nous. J'ai dit que Sun Sen est parti le 15 août 1977 et que je l'ai rencontré le 25 ou le 26 juin 1986. 25 ou le 26. 1986. C'est alors qu'il m'a téléphoné pour m'assigner une tâche à nouveau. Conseil pour la défense. La période au cours de laquelle vous étiez plus en contact avec Sun Sen est assez longue. Cependant, entre-temps, y avait-il des documents indiquant qu'il était revenu ou s'il allait revenir après la fin de sa mission à l'Est au bout de deux ou trois mois? L'avez-vous jamais contacté dans sa capacité officiel au ministère de la Sûreté ou de la Sécurité. Réponse. Sun Sen and I, Sun Sen et moi-même, since we separated, depuis notre séparation, en fait, je suis resté en communication radio de façon mensuelle. Et le dernier mois, après l'arrestation de Sao Pem. Je veux dire, avant l'arrestation de Sao Pem. Conseil pour la défense, je vous remercie. Une précision, s'il vous plaît, au retour de Sun Sen. Je pense, quoique je n'ai aucun document pour étayer cela, ni averser au dossier, il me semble que sa mission n'a pas été très longue. Il est parti en mission, il est revenu. Parce que dans le cadre du réseau vertical au sein de la Sûreté, ma question est la suivante. Une fois revenu, est-ce qu'il a continué, est-ce qu'il a repris ses fonctions de ministre de la Sûreté? Et si c'est le cas, pourquoi ne l'avez-vous pas rencontré au cours de cette période? Procureur, vous avez la parole, dit le président. Et j'ai une objection à la question parce que celle-ci est fondée sur des informations au sujet desquelles le Conseil nous dit qu'il n'a pas d'éléments de corroboration. C'est une intuition, cette idée du retour. C'est donc une question orientée qui n'est pas fondée sur une substance quelconque qui pourrait être présentée à la Cour. Donc il peut demander au témoin si Sun Sen est revenu, quand est-ce qu'il est revenu. Mais en fait, il met en avant des faits dont il n'a pas lui-même la certitude. Monsieur le Président, Conseil, que répondez-vous à cela? Le Conseil, j'aimerais répondre à l'objection soulevée par l'accusation. En fait, le témoin a dit, lorsque Sun Sen est revenu, la période transitoire était trop longue. Et que de ce fait, il ne pouvait pas utiliser cette période pour impliquer mon client, car en fait, le secrétaire de la Sûreté restait d'une partie de ses fonctions lorsqu'il est revenu au ministère à Phnom Penh.
he met with the minister on the 25th or the 26th of June 1986. Si le témoin dit qu'il a rencontré le ministre le 26 ou le 1986, cette période est beaucoup trop longue. Ça signifie qu'il y a eu des rapports entre le ministère de la Sécurité et les autres centres de sécurité n'ont pas pu fonctionner pendant toute cette période. Donc je ne tire pas de conclusion, mais il me semble fort peu probable que ce fut le cas. President, le président. The objection by the prosecution is sustained. L'objection, nous retenons l'objection de l'accusation. Monsieur le Conseil, veuillez, s'il vous plaît, reformuler votre question et essayez d'éviter d'y introduire des conclusions subjectives qui n'appartiennent qu'à vous. Vous devez vous fonder sur les événements et les faits pertinents contenus dans le dossier. Council, thank you, Mr. President. Maître Sonaroun, je vous remercie, Monsieur le Président. I'd like to continue with my questions. J'aimerais poursuivre mon interrogatoire. Based on your statement to the OCP on the 26th of March 2012, that the subordinate needed to report to the superior, les subalternes devaient faire rapport namely, à leur supérieur. The platoon has to report to the company and the battalion has to report to the regiment. How come you made a report to Nunji in the absence of Sonsei? À la compagnie, le bataillon au régiment. Does it mean that it is in contradiction to the hierarchy, hierarchical structure that you stated before the OCP, à la hiérarchie and which is also contradictory to chapter 3, article 6 of the party statute? Response. As an independent regiment, en tant que régiment S21 is under the subordinate of the general staff. Faisait rapport à l'état-major. As for the logistics, weaponry, pour ce qui est de logistique, and des armes, medical supplies, des fournitures médicales, uniforms, for instance, les uniformes, they are under the direct subordinate of the general staff. Pour tout cela, S21 dépendait, ou plutôt, toutes ces questions étaient du ressort de l'état-major. The daily trainings at S21 was pour with Sonsen. Ce qui était des questions de besides, formation et des champs de bataille, after the S21 dépendait de Sonsen. Après le 15 août 1977, I separated from Sonsen. J'étais séparé de Sonsen. And as for Sonsen, I already stated et that j'ai déjà dit he was que Sonsen as avait été nommé at that time, it was ministre. Minister of Country Defense, not national à l'époque, defense. On l'appelait le ministère de la défense du pays, pas le ministère that de la défense nationale. C'était son titre. And his role et was in charge of the general la responsabilité and his activities were accordingly so. Il y avait des responsabilités in the time of need by the country, quand le pays the general staff en avait besoin, was ordered to on go à to station in Nhat Lương. D'aller se so positionner à Nhat Lương. It was upon their communication that when he was called to the ministry. Et that was in relation to the general staff. Separately, donc il avait été appelé à ce ministère sur les questions de l'état-major. We séparément, S21, nous Sonsen. Étions sous le contrôle de Sonsen. Sonsen already stated that, Sonsen comrade, you need to report all the documents dit, to camarade, S21 to me personally. Vous devez m'envoyer personnellement les documents et les rapports de S21 car Ankara. Je représente l'Ankara. Et c'était ça les mots exacts qu'il avait employés. En pratique, je n'ai jamais Sonsen. Fait rapport à qui que ce soit d'autre no, que Sonsen. Let me refer to the party statute. Maintenant, what le, le statut du parti. Correct. Ce que vous avez dit était correct. The subordinate has to respect the superior. Il faut respecter ses supérieurs. So the regiment
Donc, needed to report le régiment to the division, but for the independent regiment, mais pour ce qui était d'un régiment indépendant, to the general staff. Lui faisait rapport à l'état-major. However, S21 was established by Article 8 of the Party Statute under the control du parti, of the sous le contrôle of the Standing Committee. Du comité permanent. I do not have the document with me. If you need, I would seek the President's permission si to show the article on the screen. Je demanderai la permission du Président que l'on affiche à l'écran Council, le document. Yes, I have that article with me. Oui, j'ai l'article sous les yeux. I thank you. Et je vous remercie. For your reply. Pour cette réponse. However, I do not have much time and mais I have more questions to ask, so I would prefer you to respond briefly and precisely. Je préférerais que vous répondiez brièvement et avec concision. In your reply to the prosecution. Dans votre réponse à une question du procureur. In 1979. Brother Noon ordered you to smash all the remaining prisoners. Ordonné d'éliminer tous les prisonniers Can qui you restaient. Reconfirmed whether the order from si Brother Noon l'ordre émanant de, du frère Noon was actually the order from Noon Chi était or from un ordre someone else. De Noon Chi ou de quelqu'un d'autre? And that's question number one. Ça, and question number two. Where was Sun Sen in early January 1979 before the arrival of the Vietnamese soldiers des in Phnom Penh? Phnom Penh? How was the orders executed? Was it Comment verbally or in writing? Mis en œuvre was it l'ordre with par any écrit? Particular signature or stamp? Y avait-il une signature If particulière, not, un tampon, un timbre? Did you believe that it was the order from Noon Chi at the time? Vous croyez que c'était un ordre de Noon Chi à l'époque? Thank you, counsel. Let me clarify Je vous remercie, that. Maître. Laissez-moi préciser ma réponse. Brother Sun Sen. Le frère Sun Sen. Was likely engaged in the battlefield from the 25th sur of le champ November, de bataille du 26 novembre 1978 et My apology, it was 77. Plutôt, c'était 1977. Because the signature of on the document sent to S21. Car la signature sur les documents qui étaient envoyés à S21. As we seen comme during nous l'avons vu. Hearing in case 001, lors des audiences du procès. His last signature was on the 25th of November 1977. So I believe that Sun Sen was engaged in the front battlefield scene. Que Sun Sen était sur était au front à partir de cette date. As for my communication pour ce qui est maintenant des communications radio par radio, was not frequent. So ce n'était pas des Never met me in person from that date. Sun Sen ne m'a pas rencontré en personne à partir de cette date. C'était le premier point. Ensuite, l'ordre d'éliminer les prisonniers qui demeuraient à S21. The order was from on the 1st of January 1979. C'était en date du 1er janvier 1979. I was not that precise. However, the remaining prisoners were all smashed on the 3rd of January 1979. Les prisonniers qui restaient ont été exécutés le 3 janvier, si je me souviens bien. So Brother Noon issued the order directly to me. M'a envoyé directement l'ordre. Recall some of the words in the order that I met him in person. He said, "For all the remaining prisoners, you need to smash them all, comrade." Camarade, tu dois exécuter tous les prisonniers qui restent. So what about the June Et j'ai dit, detainees? Qu'en est-il? Do we have to smash them? Des détenus. Because we need to prepare the text for the radio broadcast, he said, smash them all. Les Yon, plutôt, sooner or later qu'en est-il we will find des détenus Yon, them. Que nous devons préparer leurs aveux pour les émissions radio. Il m'a répondu, il faut les éliminer. 8. Do we have to smash them too? Then he said, that is up to you. Qu'en est-il? And that was his exact wordings from him to me at the time. Joe 8. Doivent-on les éliminer? Il m'a répondu, c'est à toi de voir. Counsel, thank you, witness. Maître Sonner, another question je vous remercie, you. Monsieur le témoin. J'ai maintenant une autre question pour vous. You talk about the
standing the zone, the standing committee at the zone. J'aimerais maintenant que l'on parle du comité permanent de zone. The one who made the decision at that the zone level. What about at the sector or at the district or the cooperative level? Qu'en est-il du district et de la coopérative? Was it a common practice that the secretary at those respective levels need to make the decision or need to request for approval from the upper echelon? Ou devait-il demander l'autorisation de l'échelon supérieur? President. Witness, please wait. Monsieur le témoin, veuillez attendre avant de répondre, car l'accusation demande la parole. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Mr. President, just for clarity's sake, it's not clear whether Monsieur le Président, à des fins de précision, il n'est pas clair. Decision to smash from the 30th of March 1976, le Conseil fait référence à la décision du pouvoir d'exécuter du 30 mars 1976 qui donnait aux zones l'autorisation d'exécuter, ou s'il fait référence à d'autres décisions générales qui ne sont pas portantes, qui ne portent pas précisément sur l'exécution. Il serait bon que le Conseil dise exactement ce à quoi il fait référence. The President. Le Président, thank you, the prosecutor. Je vous remercie. Monsieur le procureur. Counsel, maître, could you rephrase your question to be more precise? Pouvez-vous reformuler votre question et être plus précis? For the witness to respond. Usually we base questions en général, on il faut fonder ces questions sur des documents. So usually you can post general questions based on the document. Vous pouvez poser des questions de nature générale en vous référant à des documents. Counsel. I do not wish to reply to the objection raised by the prosecution. I move on to another question. Je vais simplement passer à une autre question. Regarding bringing the people to Phnom Penh, it was at the discretion of the secretary or deputy secretary. Secrétaire ou du secrétaire adjoint. How did you know about Comment that? Le saviez-vous? You were only just a chairman of Vous n'étiez que président de S21. Réponse. The soldiers were established in 1956 as a secret force. Les soldats ont été, ou la force militaire a été créée en 1956 comme force militaire du parti établie par chaque zone. However, they were under the control of the party. Étaient sous les ordres talking du parti. Talking about the party here meant talking about the secretary ici, and the deputy secretary. Je fais référence au secrétaire et au secrétaire adjoint. In 1974, this force was gathered to become a division under the control of the party secretary. Division That's sous le how contrôle it was formed. Du secrétaire du parti. C'est comme cela qu'elle a été formée. Regarding the 1971 party statute, le statut du parti de 1971 avait libellé distinct Soldiers de l'autre. Were the close children of the party. Les soldats étaient how it was stated. Des créatures du parti. C'est comme ça que c'était écrit. Counsel, thank you, witness. Maître Sonaroun, je vous remercie, monsieur le témoin. News, 20 years ago, some people regarding the role of S21. Which was to Question. Get the confessions au sujet du rôle which would implicate others. Qui avait la responsabilité de recueillir des aveux mettant en cause d'autres personnes. C'est cela And sur la base superior, des déclarations que vous avez faites dans le prétoire. That means your superior. Vos supérieurs. Hiérarchique. Was that your common practice at the time? Était-ce la pratique à l'époque? Response. That was Réponse. The common practice, Mr. C'était President. La pratique, Monsieur le Président. That was the way the CPK C'était practiced since the Isarak façon period. De faire au CPK depuis la période du mouvement Isarak. Feel that. Also.
When Sun Sen went to Maître the east zone on his quand mission, quand Sun Sen est allé en mission à la zone est, you told the court that during that period Nun Chi was in charge on behalf of Sun Sen. Did you ever see any official document responsable à la place de Sun Sen? Avez-vous lu un document quelconque officiel qui nomme in charge of security, en remplacement de Sun Sen responsable de sécurité, et qui l'a nommé? Réponse. Since I went to see Sun Sen when I was under his control, he said, quand je suis allé voir Sun Sen, quand j'étais sous ses ordres, il m'a dit qu'il fallait faire ce que disait le frère Nun. Je n'ai pas inventé cela. It showed that about Sun Sen was brother Nun, and then brother Paul. Au-dessus de Sun Sen, il y avait le frère Nun, et après il y avait le frère Paul, et tout le monde le savait. And on the 15th of August, 1977, I was called. I think it was j'ai reçu un appel, Lin or camarade je Matt. Pense que c'était soit le camarade Lin ou le camarade Nat. On m'a donné une tâche. Et à l'époque, ce n'était pas à l'endroit où, au nord de Boreikela où travaillait Sun Sen. C'était à l'Institut Samarasen. Je suis allé au deuxième étage du lycée Samarasen et there. J'ai rencontré le frère Nun. Said, il m'a dit, camarade, go to the ou plutôt, front il a dit, camarade Kiel, allez au front, je suis ici behalf. Pour... And we also have camarade Pong and camarade Lin, both le camarade Kiel est parti au front, know. je le remplace. So, as he was a deputy secretary, everybody knew. Et donc, we tout le monde le savait, nous savions tous que le frère Nun senior than était... Brother Kiel. So that plus haut how dans la hiérarchie que le frère Kieu. Regarding any official transfer of authority or any donc, official stamp, pour ce qui no, est d'un timbre ou d'un document officiel, d'un transfert d'autorité, il n'y en avait pas. Calpi. Council. Last week on the 5th, Maître Sonaro, la semaine dernière, the question, but due le 5, to je vous ai the time limit, demandé une question, mais en raison like du temps qui s'était écoulé, the same question, j'aimerais vous poser la question à nouveau. Supplementary questions. Question when you were asked by the prosecutors whether you quand believe les procureurs that vous ont demandé si vous pensiez revolutionary flag magazines could que be duplicated, and you said you believe reproduit. That yes, they were the copies. Répondu, vous avez dit, oui, and the question is, why do you believe that they were the demande, copies? Pourquoi pensiez-vous que c'était des copies? What do you base your sur assessment quoi on? Fondez-vous cette that's question number one, and for évaluation. Question number two, question numéro un. Et ma do you know question, where the original copies savez-vous of the où sont magazines les originaux? When du magazine. You received, and do you know where they are located or kept now? Savez-vous I refer to the sont, original magazines. Maintenant. Je fais ici référence donc au magazine Response. D'origine. Regarding the revolutionary réponse. Flag magazines, I à propos des étendards did révolutionnaires, read them je les successively. Ai lus. Since late 1971 or early 1972. Depuis 1971 ou au début de 1972, à partir de cette date. That's point one. Donc voilà, and premier point. Point number two, that I acknowledge that the photocopies of the Revolutionary Flag magazines. Je I restated that I did not see plutôt sur le sujet them des photocopies, making photocopies, je, but I déjà believe dit, je ne les ai jamais vus faire de photocopies. They are the copies of the original copies. Mais je pense qu'il s'agit d'une copie and de if l'original. The location vous me demandez of the original copies, où ils se trouvent. Maybe some were collected from peut-être S21, que certains ont été recueillis à and I believe the original copies are maintained by Chang Yuk. D'origine, c'est Chang Yuk. Of course, I know about the movements because I also follow the proceedings in je this court. Je suis au courant car je, vous savez, je suis les audiences de ce tribunal.
Counsel, I have another question for you. Une autre question. The document that is your hand written document. Ce document écrit E-180, de votre main. 180. With the sub, with the title that. Dont le titre est. Lessons learned from the experiences of the elders of former generations. Des Ian Inkmar is 00787939. In English, Société. 00799979. En Khmer, 00787979. En anglais, 00791979. Et vous dites que Ho Chi Minh a gardé Hanoi à garder Si Peng en charge du pays. Quelles étaient les politiques d'Ho Chi Minh? And do you have any evidence to support the policy by Ho Chi Minh so that the Cambodian people can understand about the historical event? Expliquer les politiques, étayer ces politiques d'Ho Chi Minh pour que le public cambodgien comprenne bien ces politiques. Response. Réponse. The document of this kind was maintained in the document by the CPK after the Geneva Convention. Ho Chi Minh removed Sun Ngoc Minh to return to a retiré Sun Ngoc Minh pour le renvoyer à Hanoi. There were 1,700 Cambodian combatants and cadres. Cambodgiens et cadres. They were taken to study in Vietnam. Ces personnes ont été envoyées pour étudier au Vietnam. And that was the fact. Ça, c'était c'est un fait. As for his exact wordings, we did not have any of that. Nous n'avions aucun, nous ne l'avions pas. Si Heng was kept in the country. Si Heng a été that point was also mentioned in the document of the CPK. C'est aussi écrit dans ce document du PCK. Counsel, I have another question. Maître Sonaroun, j'ai une autre question. In your writing, ce document. That is after the coup d'état, you talk about the presence of the Vietnamese troops in Cambodia. De la présence de soldats vietnamiens au Cambodge. You said that the Vietnamese troops who took refuge in Cambodia defeated the Lon Nol authorities at district levels and established a provisional authority. This provisional state power belongs to the Vietnamese Workers' Party. However, in appearance, it was Cambodian. Il s'agissait de Cambodgiens. As cadres sitting on the sector and district party committees were all Vietnamese with my names. En fait, les cadres qui siégeaient au comité du district étaient des Vietnamiens portant un nom cambodgien. The Cambodian troops who were mobilized by Vietnamese were part of the Vietnamese party and under the control of the Vietnamese company committees. Comité de la compagnie vietnamienne. Confiscated weapons and booty belonged to the Vietnamese party. Et des armes cash and taxes belonged to the Vietnamese party. Et tout cela appartenait au parti vietnamien. The extract from ça, c'était l'extrait que j'ai cité du document. You said that that authority was a provisional authority. Vous avez dit qu'il s'agissait donc d'une autorité provisoire. And that it shall be delivered to the Khmer et Angkan. Qu'elle serait remise à l'Ankar cambodgienne. I want to ask whether was there any handing over to the Khmer authority. If so, when was the event? Et si tel est le cas, quand cela s'est-il produit? Response. Réponse. Let me give you one or two examples. Laissez-moi vous donner un ou deux exemples. Which are historical events. Ce sont des événements historiques. In my native village is dans in mon village Stone, natal, dans Stone, à Stone plutôt. Vietnamese les Vietnamiens liberated Stone ont libéré Stone about the 16th of March. Vers le 16 mars. Let's say it's
I apologize, let's say it was in June. Plutôt en juin. Then they appointed a cooperative. Ils ont nommé to become a coopérative. District Front Committee. His name was Front. Un comité Prum. De district. And later on, the Khmer Onkar arrived with Comrade Lung. Puis Lung died at S21. Le camarade Lung est mort à S21. He became the district secretary il at the time. Il est devenu le secrétaire de district à l'époque. So that was the changing over of the authority. Et voilà donc le transfert de pouvoir. As for Asang area and Kothom, the Daik and Kinswait, they were controlled by those authorities from Hanjam province. Les autorités de la province Hanjam. They appointed their front committee. Ils ont comme une district committee. Des comités du front, des comités de district. I get confused. They organized the sector committee and the district committee. Secteur, les comités and de district, they appointed the soldiers. The front committee at the district and des the soldiers au comité du front. Sub-district and the village level. Au niveau du sous-district, au niveau du village. So they brought to Vietnam all the booties and confiscated weapons, au Vietnam, and also tout le butin the taxes. Les armes qu'ils avaient confisquées ainsi que les impôts. And yeah, authority controlled all these. By July or August, the East en appointed juillet, a party août, committee l'Est for sector 25 to protest au against the 25 pour Vietnamese authority protester contre ce pouvoir until the Vietnamese authority shot dead a Cambodian tax collector to the south of Brex Nain. Fallait qu'il y ait until un December, the authority was handed over from puis, sector 62 of Hanjam to the sector under the control of the East. Par l'Est. That is about the handing over. Sometimes it was shorter, voilà sometimes it was a longer pouvoir, period. Des fois, ça so in Stone, it was in a short period of time for long. The transition of power. La transition s'est faite vite. Council, thank you. Maître Sonaroun, je vous remercie. In the paragraph which I read, dans ce paragraphe que je vous ai lu, j'ai quatre autres questions à vous poser. For question number two, question numéro deux, pourquoi party established the authority to control within the territory of Cambodia at the time? Une structure ayant un pouvoir en territoire response. Cambodgien à l'époque? I think this would lead to my conclusion. Réponse. As I analyze the situation and I can draw a conclusion. Tirer une conclusion, j'ai analysé Vietnamese la situation, je peux tirer une conclusion. Soldiers. Les Vietnamiens. Et les soldats vietnamiens se sont the Cambodian territory. Réfugiés en territoire cambodgien. And during the coup d'état, et pendant le coup d'État, Lun Nol got assistance and weaponry supply in a ship a reçu by Seattle. Un navire qui avait été envoyé de Seattle des armements. Returned the Vietnamese migrants back to Vietnam. De Sito, sera par l'interprète. They were detained first. Puis donc il y a in various locations. Arrestation, ils ont été détenus. Kondal Market. Il y avait donc and détention à plusieurs endroits, notamment through près a refugee organization Kondal. Or Red Cross puis to Vietnam. On a envoyé la Croix-Rouge. The time the Vietnamese soldier from the south raised the flag of the et United c'est Front là que les to defeat the Lun Nol du Sud-Vietnam ont levé le to take control of the local authority. Du Front uni pour défaire Lun Nol. Et quel était l'objectif de cela? In fact, we
relied on the Vietnamese assistance. Mais en fait, nous dépendions de l'assistance vietnamienne. Et les Vietnamiens ont profité de l'occasion pour contrôler le Cambodge. But of course, that was not possible. Mais évidemment, but ce n'était pas possible. As long as they could, at where they could benefit from the area. Le plus longtemps possible pour profiter le plus possible de la région. I have three more questions and it's finished. Maître Sonaroun, j'ai trois autres questions et ce sera ensuite regarding terminé. The Vietnamese authority in Cambodia. L'autorité how many were they vietnamienne au Cambodge? Combien de personnes y avait-il? Et pouvez-vous nous dire où ils étaient situés au Cambodge? The Vietnamese Committee to Control Soldiers and established by Vietnam in Cambodia after, after the coup d'état in 1970, they were all ils étaient tous, went back ils sont tous retournés to Vietnam. Au Vietnam. I only know the committee et moi, je ne connais commander que le, les commandants in Kinswai, de comité de Kinswai. As for the committee controlling Kontum district, qui contrôlait le district de Kontum, c'était Win Nam Do. They all went back to Vietnam. Mais ils sont tous repartis au Vietnam. Thank you, says the council. This je is my last question. Dit la défense. Ma dernière question. How can you explain the strategy comment by expliquez-vous Vietnam la stratégie vietnamienne en territoire Kampuchea? Réponse. Let me talk about the event after the coup d'état. Je vais vous parler des événements qui ont suivi le coup d'état du 18 mars 1970. Nous ne leur avons pas demandé de l'aide, ils étaient déjà là. Ils ont utilisé des moyens militaires pour chasser les autorités de l'ONNOL. Quel était leur objectif? Nous pouvons expliquer cela en so it is very difficult to say about the real disant qu'il est difficile de deviner leurs véritables intentions parce que personne ne nous a expliqué ce qu'ils voulaient. Je remercie le témoin, je remercie le président. J'en suis arrivé à la fin de mes questions. Le président, je vous remercie, monsieur le conseiller de la défense, je remercie le témoin. Le moment est venu de suspendre. The chamber would like to ask all the three defense teams. Le président aimerait que les trois équipes de défense whether your clients aux trois équipes de défense si leurs clients intending to confront this witness ont l'intention d'obtenir des confrontations avec le témoin. Nunchia's defense team. Je vais demander d'abord à l'équipe de défense de Nunchia. Thank you, Mr. President. Je vous remercie, Monsieur le Président. Comme nous l'avons indiqué la semaine passée, notre client aimerait pouvoir lire une déclaration répondante au témoignage de ce témoin. Et puisque je suis debout, il y a d'autres points de procédure que nous aimerions pouvoir soulever la semaine prochaine. Je crois qu'il nous faut cependant assimiler ce qui s'est produit jusqu'à maintenant, la manière dont l'interrogatoire de ce témoin s'est déroulé. Nous aimerions revenir sur au moins deux décisions prises par la Chambre pendant ces interrogatoires qui, à notre avis, enfreignent les droits de la défense. Mais j'y reviendrai la semaine prochaine. Pour répondre à votre question, notre client aimerait répondre
what this witness has said the past weeks. Au dire de ce témoin au cours de la semaine écoulée, je ne pense pas que cela prendra plus de 10 à 15 minutes. Le président. The schedule that we are intending to have is for your clients to question the witness. It's not for the lawyers. Notre intention était de vous demander si le client désirait en personne poser des questions aux témoins, pas une réintervention des conseils. Donc j'aimerais que vous demandiez à votre client s'il désire s'adresser aux témoins. Monsieur le Président, j'aimerais lui demander si, mis à part la déclaration qu'il entend faire, il a quelques questions à poser. What about Yeng Sari's defense? Qu'en est-il de la défense de Yeng Sari? Counsel for Yeng Sari. Conseil pour la défense de Yeng Sari. Journalists. Mesdames et messieurs les juges. Also, good afternoon, Mr. Kang Kyeol. Bon après-midi, Mr. Yeng Sari already declared his exercise of. Déclaré qu'il exercerait son droit de rester muet et il entend exercer ce droit par rapport à Hendrik. Je vous remercie. Le Président, je vous remercie. As for Kyo Sampang's defense. Alors, la défense de Kyo Sampang. Thank you, Mr. President. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur Kyo Sampang ne désire pas poser de questions au témoin Doug. Merci.
Le président, thank you. Je vous remercie. To all the three defense teams for their response. Je remercie les trois équipes de défense pour leur réponse. La Chambre désire informer la défense de Nunchia que si celui-ci désire faire des observations ou des commentaires concernant la procédure au niveau de l'interrogatoire de ce client, il faudra le faire par écrit et le soumettre à la Chambre d'instance. Toutes les parties having the same right. Disposant d'ailleurs du and même they also droit. Have the right to respond les parties to ont également le droit submission by de defense répondre team in writing. Par écrit aux conclusions qui seront déposées par l'équipe de Nunchea. En ce qui concerne le désir de Nunchea de faire une déclaration de 5 à 10 that's minutes, and as for the to other defense teams, they do not raise to question these witnesses. Les autres équipes de défense ne désirent pas poursuivre l'interrogatoire du témoin. Le moment est à présent venu pour lever la séance. Encore une fois, la Chambre désire remercier le témoin de Gueux pour ses efforts visant à répondre à de nombreuses questions pendant ces quelques jours, et ce avec beaucoup de patience. Et pour avoir déployé vos meilleurs efforts pour ce faire, la Chambre n'a pas de questions à vous poser à ce stade. Donc, la sécurité va escorter M. Deuc à son lieu de détention. Litco lawyer for civil parties, you are on your feet in a very last minute. It seems very inappropriate to do so. Next time, please try to use the time within the court session. Ceci n'est pas très approprié. Nous aimerions qu'à l'avenir, vous utilisiez le temps qui est imparti en cours d'audience, ce n'est pas immédiatement avant que l'audience soit suspendue pour la journée. Monsieur le Président, pardonnez-moi de demander la parole au dernier moment, mais je n'en aurai pas pour longtemps. J'avais le sentiment que la Chambre avait pris une décision en ce qui concernait la déclaration de Monsieur Nunchea. Si ce n'est pas le cas, et s'il est effectivement possible désormais que Monsieur Nunchea fasse une déclaration, nous souhaiterions pouvoir nous expliquer sur ce sujet, mais effectivement, lorsque l'audience reprendra, c'est-à-dire sans doute mercredi prochain. Mais nous souhaiterions nous expliquer, nous pensions que sa décision we thought that the decision had already been taken. We didn't believe that this point could be rediscussed. President, the court is now adjourned and it will resume on Wednesday, the 18th of April 2012. 2012. That is after the celebration of my new year, and it will commence at 9 a.m. Security guards were instructed to bring the three accused to the detention facility and have them back here in the courtroom. Vers le centre de détention et faire en sorte qu'ils soient de retour le 18 avril 2012 avant 9 h du matin lors de la reprise des audiences.